Bonjour, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Alors, vous le savez, j'aime bien commencer comme ça, j'en tiens, bonjour, de quoi parle-t-on? Comme s'il y avait un espèce de suspense, mais non, il n'y a pas de suspense, vous le savez, vous avez cliqué sur le titre de la vidéo. On se parle de ces smartphones-là, on se parle aujourd'hui du Honor et du Honor. Pourquoi? Parce que ces smartphones sont intéressants, parce que l'histoire qu'ils racontent est intéressante. Souvenez-vous, il y a quelques années, Honor et Huawei, c'était le même groupe. Honor était la marque jeune de Huawei. Honor, depuis, s'est séparé de Huawei et a pu récupérer les services Google que Huawei avait perdu quelques temps auparavant. Donc aujourd'hui, Honor fait son grand retour avec une gamme complète. Et autant, à une époque, Honor était la marque jeune, c'est-à-dire avec des produits jeunes, des produits entrée milieu de gamme. Aujourd'hui, ils se sont dit, on est une marque indépendante, on va avoir une gamme extrêmement complète. Je vous ai présenté le Magic V, qui est le smartphone pliable, on en a parlé il y a quelques temps. Je vous ai emmené avec moi à Barcelone, je vous ai montré le Magic 4 Pro qu'on se testera aussi un peu plus tard. Et puis aujourd'hui, je vous montre ces deux nouveaux smartphones qui sont intéressants parce qu'en fait, c'est la gamme X. Et la gamme X, c'est quoi? C'est l'entrée, début du milieu de gamme de chez Honor. Alors pour autant, vous avez trois parties dans cette gamme. Vous avez la gamme X, on va dire plutôt de l'entrée de gamme. On a le milieu de gamme avec la gamme avec un numéro comme le Honor 50 que je vous ai également présenté l'année dernière. Et puis la gamme Magic, c'est le haut de gamme. Le Magic 4 Pro, c'est le smartphone haut de gamme. Et le Magic V, qui est le smartphone pliable. Voilà un peu pour la photo de Honor à un instant. Et donc on va regarder ces deux smartphones, on va regarder s'ils sont intéressants, s'ils sont faits pour vous, s'il faut venir se positionner, quelle est la différence, parce qu'il y a deux produits qui ont été présentés, le Honor X7 et le Honor X8. Alors j'ai les tarifs, je vous les donne respectivement pour vous savoir tout. J'ai l'impression de postillonner, c'est dégueulasse. Pour que je vous le dise tout de suite, mon papa il est pompier. Je vais refaire l'objectif. Le Honor X7 sur le site des Honor, il est à 199,90 € et celui-là, le Honor X8, il est à 239,90 €. Je vous mets bien évidemment tous les liens en bas dans la description pour que vous puissiez aller jeter un œil et découvrir ces jolis produits. Bon, vous êtes prêts? On va y aller, on y va, go! Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Honor parce qu'Honor m'a dit tiens monsieur Greux, on t'a fait déjà tester des choses, est-ce que tu voudrais tester nos nouveaux smartphones? Alors c'est vrai que j'ai déjà testé des PC de Honor parce que Honor c'est pas uniquement des smartphones, ce sont des PC, ce sont différents produits écosystèmes. Une fois de plus, cliquez sur le lien dans la description pour aller voir leur site web et tout découvrir. Donc j'ai trouvé ça intéressant de venir voir ces nouveaux produits, voir à quoi ils ressemblaient, voir quelle était un peu la différence entre les deux. Alors regardez, ça c'est la boîte du X7. Le X7 c'est celui-là. Le X7 il a des faux airs du Honor 50. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça ressemble vraiment au niveau du module photo, vous voyez, au côté Honor 50. Alors, il existe dans plusieurs couleurs. Tous les deux existent dans les mêmes couleurs, en fait. Il y a la couleur noire, il y a la couleur argent et il y a la couleur bleue. Moi, j'ai deux noirs. Comme ça, au moins, on peut comparer directement ici. On retrouve cet esprit du Honor 50 avec ce module photo qui est assez sympa, très honnêtement. Grand capteur principal qui est là, puis après, vous en avez d'autres, mais je vais vous détailler ça dans quelques instants. Un smartphone qui, lui, est légèrement incurvé. Le capteur d'empreinte digitale sur la tranche qui déverrouille très rapidement. Vous retrouvez une petite encoche légèrement sur le haut. Un menton qui est pas trop grand, ça va. Sur les bords, ils ont vraiment bien travaillé. Il fait quelque chose qui est très sympa, tandis que le Honor X8, celui-là, et eh bien hop là, regardez, on va se mettre comme ça. Lui, il est beaucoup plus plat. Vous avez un dos qui est plat, les côtés sont plats. Regardez la différence du X7 qui est légèrement arrondi. Lui, il est quand même très très plat. C'est pas mal aussi, hein, j'aime bien ce design-là. Alors au niveau du module photo, ils ont fait un truc un peu plus sobre avec 4 parties comme ça. Vous le voyez, vous avez 4 capteurs, ok. Alors ici, on prend un peu la poussière et un peu les traces de doigts. C'est un truc un peu relou, donc mettez une coque de protection déjà pour bien le protéger. Et puis en plus de ça, ça vous évitera toutes ces traces de doigts, toute cette poussière. Mais j'aime bien ce design assez plat. Je trouve ça assez sympa. Personnellement, j'ai une préférence pour le X8 versus le X7 que je trouve un peu plus épais, mais dans les deux cas, les smartphones sont très sympas. Et sur le X8, la différence que vous avez, c'est qu'ici, vous avez une petite... c'est pas une encoche, hein, c'est une espèce de petite goutte, un poinçon, comme vous voulez, vous voyez. Ils ont vraiment voulu différencier les deux modèles et je trouve que ça fonctionne. Alors moi, je vous le dis une fois de plus, mon cœur va venir pencher davantage du côté du X8, pas parce qu'il est plus cher, mais parce que j'aime bien, je préfère en tout cas le poinçon comme ça, et j'aime bien le côté... hop là, faut que je recharge, et le côté plat. Alors tiens, bah, ça tombe bien qui me montre, effectivement, il faut que je le recharge, je suis à 20% parce que, et c'est intéressant, dans ces deux smartphones, vous avez un bloc de charge qui est inclus à l'intérieur, c'est du 22,5 watts, c'est lui. Donc, c'est ce qu'on appellera la Honor Supercharge que vous avez là. Vous avez d'un côté de l'USB-A et de l'autre côté de l'USB-C. Ça vous le rechargera assez rapidement. En 10 minutes de charge, vous reprenez 3 heures d'autonomie. Donc ça, c'est un truc qui est assez rassurant et sur les deux smartphones. Puisqu'on est au niveau de la charge, on va parler de la batterie, il y a une différence en fait entre les deux. Sur le X8, vous avez une batterie qui est un peu plus petite. C'est du 4000 mAh versus du 5000 mAh sur le X7. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, vous avez dans les deux produits exactement exactement le même processeur. C'est dans les deux cas, le Qualcomm Snapdragon, c'est le 680 4G. Ici, ce sont des smartphones 4G, ce ne sont pas des smartphones 5G. Donc si vous avez prévu de prendre un abonnement 5G, ce ne sont peut-être pas ces smartphones-là qu'il vous faudront. Néanmoins, si la 5G, c'est pas votre truc, vous vous en fichez et que vous voulez un bon rapport qualité-prix et que vous voulez un smartphone avec de la 4G, eh bien ici, vous avez de quoi faire et ça ira très bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez exactement le même processeur d'un côté et de l'autre et que vous avez une batterie qui est un peu plus grosse sur le X7 versus le X8, eh bien vous aurez une autonomie qui sera un peu plus grande sur le X7 par rapport au X8. Et il y a un autre point qui va venir jouer aussi dans cette question d'autonomie qui est intéressante, c'est que en fait, dans les deux cas, vous avez un écran LCD. Sur le X7, c'est un écran, c'est un TFT LCD, surtout vous avez une résolution ici en HD. Vous êtes en combien? 1600 par 720. Ici, c'est du Full HD+. 2388, c'est ça, par 1080. On aura une autonomie qui sera meilleure sur le X7, mais processeur, plus grosse batterie, plus faible résolution, il vous emmènera un peu plus loin. Mais comme je vous le dis dans les deux cas, grâce à la supercharge, ça devrait bien se passer d'un côté comme de l'autre. Il y a un truc qu'ils ont fait qui est intéressant, c'est que sur les deux smartphones, vous avez un taux de rafraîchissement dynamique de 90 Hz. Alors regardez, je vous montre. Vous venez dans vos paramètres ici. Vous venez dans affichage et luminosité et vous venez dans fréquence, c'est là, regardez là, fréquence de rafraîchissement de l'écran, dynamique. Ça veut dire qu'en fait ici, je vais avoir un taux de rafraîchissement qui va être soit de 60 Hz, soit de 90 Hz. Mais c'est lui qui va le faire intelligemment, on le dit comme ça, ouais, je sais pas si je m'exprime bien aujourd'hui, c'est lui qui le fait dynamiquement en tout cas, mais si vous voulez tout le temps sur les 90 Hz, vous pouvez, vous venez le pusher directement là, sinon vous restez sur du 60 si vous vous en fichez de monter en 90 Hz. Je vous conseille le mode dynamique, il va le gérer directement, automatiquement, il le fera bien. Autre truc à venir voir et qui est intéressant sur ces deux smartphones, sur le paramètre mode et température de couleur. Je l'ai laissé en mode vif et en mode par défaut ici là, regardez, hop là, par défaut, ce qui me fait un écran qui est plutôt bien, qui fonctionnera plutôt bien en termes de calibrage, et puis de l'autre côté sur le X7 j'ai fait un truc un petit peu différent, comme on n'est pas sur la même dalle, on est sur du TFT ici, je l'ai un peu bidouillé mais pas grand chose, mode et température de couleur, je suis resté en couleur vive et je suis venu légèrement le réchauffer là, alors je suis pas passé en chaud parce que si je clique en chaud là, ça me le tire légèrement sur le vert, vous voyez là, et j'aime pas du tout, donc je viens le mettre là plus sur un léger jaune orangé qui va venir casser un côté un peu bleuté et c'est bien meilleur. Alors après il y a un autre truc à savoir, c'est qu'on est sur des smartphones qui sont certifiés à lutter contre la lumière bleue, notamment grâce à un mode confort des yeux que vous pouvez venir activer en permanence. Ça tire sur un jaune hein, vraiment énorme. Moi c'est pas ce que je vous recommande. Hein. Il y a ça, il y a aussi le mode e-book qui va venir lutter contre la lumière bleue et contre la fatigue oculaire, donc c'est pas mal. Donc ça c'est le côté un peu liseuse, donc si vous voulez venir lire, vous mettez en e-book, mais sinon le reste du temps, ce que je vous conseille c'est une fois de plus, vous venez dans votre mode et température de couleur. Quoi il m'a fait ça, je l'ai pas désactivé, le confort des yeux activé, je le désactive. Voilà, je me mets là et je reste bien ici, hop là, et je le casse légèrement. Et là, pour moi, on a un équilibre qui est bien et ça fonctionnera bien. Puisque je vous montre la partie logicielle, ici c'est Magic UI 4.2, expérience propre hein, à Honor. C'est assez bien compréhensible grâce aux différentes icônes que vous allez avoir. On se retrouve assez bien dans les paramètres, vos comptes, système, mise à jour, tout ce qui va être sécurité, vie privée. Bon, là-dessus, le boulot est propre et bien fait, donc ça fonctionnera et il n'y a rien à redire. Autre truc qui est intéressant et que nous a fait Honor X... Ah, j'ai une lumière qui m'a lâché, c'est celle-là. Autre truc qui est intéressant et que nous a fait, j'aurais dû recharger mes lumières avant, je sais pas pourquoi je l'ai pas rechargé. Autre truc qui est intéressant, je vais y arriver, on a dans tous les cas un écran de 6,74 pouces, même taille d'écran. La chose qui va venir être un peu différente, je vous l'ai dit, c'est cette question de poinçon versus petite encoche qu'on a ici. La taille du menton, c'est quasiment la même, donc on est sensiblement sur le même format. Il est un peu plus grand, le... Donc on voit un peu la différence, regardez au niveau des bordures, c'est des petites différences de techno en fait, à la fabrication. Hein. Le c'est un peu plus fin, je trouve que le est un peu mieux fini, c'est vraiment celui que je veux dire préféré, mais bon il a fallu faire des choix, on est quand même à moins de 200 € ici sur le site, donc forcément on va pas tout avoir, donc c'est normal qu'on ait vraiment cette différence ici. Un autre truc qui est aussi super intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ils nous ont laissé une prise jack, donc si vous voulez venir brancher un casque pour maximiser l'expérience audio, eh bien, vous pouvez venir le faire, donc ça c'est cool. À savoir également si vous n'avez qu'un haut-parleur mono, mais c'est normal, smartphone d'entrée de gamme, haut-parleur mono qui se situe ici d'un côté et de l'autre, bon c'est pas le truc le plus dingue du monde, on s'en doutera, mais ça fonctionne. Et l'autre différence qu'on va venir retrouver, c'est au niveau des photos. Alors regardez, là, vous avez sur le un capteur de 48 mégapixels sur le grand angle, tandis que sur le on est sur du 64 mégapixels sur le grand angle. Après, c'est la même chose. Ultra grand angle de 5 mégapixels et on a un capteur de profondeur et un capteur de macro. Ici, Honor nous a rien dit dans la fiche technique. Je suppose qu'on a des capteurs de 2 mégapixels d'un côté et de l'autre. Ça me paraîtrait assez logique. Je vais vous montrer le résultat dans quelques instants côté photo. Et côté caméra de selfie, on retrouve sur le un capteur de 8 mégapixels, tandis que sur le on a un capteur de 16 mégapixels. Bon, ok, ça c'est sur le papier. Regardez justement les photos prises, on commence par le ici, bon, c'est pas mal, c'est correct, ça fonctionne. Attention, on est à moins de 200 €, donc on va pas avoir des exigences de dingue sur ce smartphone-là. Sur des photos un peu souvenirs classiques sur votre grand angle, on fera des choses pas trop mal. Je vous montre l'ultra grand angle, on a une très grosse différence de colorimétrie, puis beaucoup moins précis, mais une fois de plus, c'est normal. À noter que sur aucun capteur, vous n'avez une stabilisation optique, ce qui est aussi normal à ce tarif-là. Donc bon, l'ultra grand angle, on pourra faire des choses, mais c'est pas le truc le plus dingue. On peut venir zoomer en x2, mais on va tout de suite qu'il y a une petite correction logicielle qui vient un peu pousser les traits, qui vient un peu surcontraster. C'est pas parfait, c'est normal, et on peut aller jusqu'en x8. Bon, faut-il aller jusqu'en x8? La réponse est clairement non. Grand angle ici, je trouve qu'il y a un côté qui est un peu... je saurais pas comment vous décrire ça, comme s'il y avait une espèce de folissage, mais qui globalement fonctionne quand même pas trop mal. On peut sortir des clichés souvenirs qui seront assez corrects. Regardez, l'ultra grand angle là, je vous dis, une fois de plus, toujours un peu la même chose, hein, beaucoup moins précis, mais bon voilà, on a moins de 200 balles, enfin il y a un moment, il faut garder un peu les pieds sur terre. La même chose ici, pour sortir des souvenirs de voyage avec des amis, on fait des photos qui seront correctes. Je vous conseille vraiment de rester sur votre capteur principal et de ne pas venir vous amuser avec le reste parce que c'est pas parfait, mais c'est normal. On peut venir faire aussi un peu de macro, distance de 4 cm. Je suis pas du tout fan de la macro sur les capteurs de 2 mégapixels, donc bon, ça va pas être bien meilleur ici. Déjà, il faut trouver la bonne distance et puis voilà, on sort des choses quoi, mais bon, faut-il le faire? Je suis pas convaincu. Caméra de selfie, c'est sensiblement la même chose. On peut avoir quelques souvenirs. J'ai une vraie gueule d'enterrement, hein, ça c'est merci les pollens. Regardez, je rentre pas les valoches sous les yeux là. Mais bon, voilà, on peut faire des petites choses. C'est pas dingue, mais ça fonctionne. Le capteur du sera un peu meilleur. On peut faire des choses un peu mieux. Il n'y a pas une grosse révolution entre les deux, on reste un peu dans la même lignée, mais c'est un petit poil au-dessus. On a également l'ultra grand angle, c'est le même résultat. On peut venir zoomer en x2, x8, on oublie. Vous voyez, c'est un peu la même idée, je trouve, au niveau du traitement des photos. On retrouve un peu ce même aspect entre le X7 et le X8. Des fois, j'inverse, hein, 7X, X7, non, c'est bien X7 et X8. Désolé, des fois, pour l'inversion. Vous voyez, ça raconte un peu la même histoire, en fait. Je me suis mis au même endroit pour qu'on se rende compte. D'ailleurs, il y a un côté un peu plus désaturé sur le X8 versus le X7. Sur le capteur principal, sur le grand angle. Toujours les mêmes choses sur la macro, parce que ça sera le même truc. On va avoir sensiblement les mêmes photos. Bon, voilà, c'est pas ouf, mais bon, on arrivera à faire des petites choses un peu marrantes si on aime ça. Mais je suis pas du tout convaincu dans les usages. Et puis, la caméra de selfie, même si on a 2 fois plus de mégapixels, eh bien, je dirais que c'est un peu la même chose. C'est pas top, top, top. Donc, considérez vraiment qu'en photo, on peut faire des choses sympas sur les souvenirs, sur votre capteur principal. Je dirais que c'est le point essentiel. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, 2 smartphones, 2 prix qui sont quand même très, très proches, hein, je vous dis. Il y a 40 € d'écart entre les deux prix. Alors 40 € quand on est sur un tarif entre 200 et 240 €, ça fait quand même un peu d'argent. 199,90 € et 239,90 €. Je pense que Honor, vous m'en voudrez pas de dire qu'on a quasiment 200 et 240 € avec 40 € d'écart. Ça c'est plutôt clair. Alors c'est beaucoup d'argent effectivement, 40 € sur cette gamme de prix là. Mais pour autant, moi ce que je vous conseille plus, c'est d'aller sur le X8. Bien évidemment, il en fera un peu plus. Bien évidemment, il en aura un peu plus sous le capot. Mais surtout, moi ce que j'aime bien avec le X8, c'est ce design qui est quand même un peu différent. J'aime bien ses lignes. Je trouve un peu plus fin. Je trouve un peu plus élégant. Je trouve que le X7 il est pas trop mal, bon, c'est déjà un peu plus vu. Je trouve qu'il a un côté plus premium. Le X8, j'ai encore lancé un espèce de postillon énorme. Il va falloir que je me surhydrate, je crois, aujourd'hui. Le capteur d'empreinte digitale fonctionne bien. On a un look qui est bon. On a ce petit poinçon qui reste très discret et qui fonctionne. Bref, on a un smartphone qui est très cool à 240 €. Et puis d'ailleurs, allez voir sur le site de Honor parce que de temps en temps, il y a des choses intéressantes pour venir le trouver dans les meilleures conditions ou alors des packages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a 2 smartphones cool. Si c'est 40 € de delta, eh bien, c'est énorme pour vous. Vous pouvez aller sur le X7. Il aura une batterie plus grosse. L'autonomie vous emmènera un poil plus loin, mais le X8 est quand même plutôt bien. Sachez que vous avez quand même un chargeur de 22,5 watts, donc on va venir recharger assez rapidement, donc ça fonctionnera bien et pas de stress là-dessus. 2 produits que moi je trouve intéressants, et puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le retour de Honor avec les services Google, avec une gamme qui va s'étendre. Ça veut donc dire que Honor, c'est un acteur sur lequel il faut compter. Il va falloir compter plus dans les temps à venir, avec une grande gamme qui va se développer, avec une cohérence, avec de plus en plus de produits, et ça je trouve ça vachement intéressant. Pourquoi? Parce que ça c'est pour le bénéfice du consommateur. Alors maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de Honor? Peut-être d'ailleurs avez-vous un smartphone de Honor? Est-ce que vous avez un Honor 50? Peut-être, peut-être pas. D'ailleurs, dites-le moi juste en bas en commentaire. Et puis, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ces 2 smartphones, le X7 et le X8? Dites-le moi en bas. Nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler tech, bien évidemment, et parler de Honor, parce qu'on regardera bientôt le Magic 4 Pro que je vous ai déjà présenté. On regardera ça parce que vous allez voir, c'est vachement intéressant. Il a fait de très jolies promesses, notamment pour faire de la photo et de la vidéo. C'est toute autre histoire. Attention, c'est beaucoup plus cher. Si vous voulez du Honor à un tarif beaucoup plus abordable, ça se passe ici, mais il y a aussi de très jolies choses à raconter dans le haut de gamme chez Honor. Et ça, c'est bien. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Bisous.